el proyecto y la ambición de la ambición del nuevo proyecto y el poder venir a un club a construir tu propia historia. Yo tuve este mismo proceso en Rayo Vallecano, construir un equipo para hacerlo, para tener éxito. Ce qui m'a plu, c'est le projet ambitieux, cette équipe, donc un nouveau projet, et la capacité qui m'est donnée ici de construire ma propre histoire. Hein. Donc c'est ce que j'ai fait quand j'étais au Rayo Vallecano, où j'ai eu la chance de pouvoir construire l'équipe. C'était la même chose aux États-Unis. Arsenal, on est rentré dans la phase de professionnalisation du football britannique. Donc il y avait la philosophie du club, tout l'environnement et justement cette évolution qui s'est passée sur 3 ans. Donc ce travail aussi d'équipe. Bueno, en football féminin, conocemos un poco todos los equipos. Yo sabía que había un proyecto. Oui, bah, alors donc en fait à Bordeaux, bon, je savais qu'il y avait ce projet à Bordeaux. Donc le football féminin justement avait ce projet d'évolution et Bordeaux fait le pari justement de faire progresser son équipe. J'avais des contacts déjà et donc ça s'est concrétisé. Bueno, primero sobre la historia del club. Oui. Alors le fait que la section féminine est une histoire très courte, j'ai suivi ce qui s'est passé ces dernières années et ce qui m'a intéressé justement c'est ce pari sur le futur avec cette équipe féminine. Donc l'opportunité justement parce que l'histoire est très courte de pouvoir écrire notre propre histoire ensemble. Bien sûr, je suivais beaucoup l'équipe féminine, masculine, pardon, en particulier ces 2 dernières années. Donc j'ai suivi les joueurs de légende qui ont été ici, les Zidane, enfin tout, ensuite tous les groupes qui ont joué dans le championnat espagnol et l'international. Et j'ai suivi l'histoire du club depuis ces 10-20 dernières années.